suna e e pa ina yo enga moko te motona me mi e pa ina yo mote me lingi e na e pi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. À Christ même le Saint-Esprit. Mais na kouti e pa ina e quelque chose de bien qui m'attire tellement. Remercier Éternel parce que vraiment si on arrive aujourd'hui c'est grâce à lui. Et puis aussi remercier tous ceux qui nous ont beaucoup beaucoup soutenus et surtout ceux qui ont cru en notre amour hein, dès le départ. Par exemple, il y a une derrière moi là, elle c'est depuis la nuit des temps. Donc vraiment merci à eux parce qu'ils ont beaucoup cru en nous. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Tu es Dieu. Car oui, tu es Dieu, l'incontournable. Qu'on attendait depuis. Ça faisait 2 ans et que cela est maintenant arrivé. Je bénis l'Éternel. Je le bénis et je le dis merci. Voilà. Je remercie également l'Éternel pour qu'il nous a permis de nous réunir ici pour le mariage de Vanessa. Comme on est à quelques minutes du commencement de l'événement, j'espère que ça va bien se passer et que pour l'avenir, je leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage et que leur mariage dure le plus longtemps possible. Merci. Vanessa doit bien se marier, que le Seigneur Jésus qui garde son mariage aussi longtemps que possible. Que son mari lui garde aussi longtemps possible. Et il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre eux. Ils doivent bien se comporter. Amen. Maman a attendu ce jour depuis longtemps. Je suis Madame Idiata, s'il vous plaît. Nous sommes très contents, nous sommes très ravis. Tout ce que nous pouvons dire en tant que grande sœur et au nom de toute la famille, vraiment du courage et félicitations déjà, parce que c'est pas facile hein, le mariage, et voilà, que Dieu les accompagne et que tout se passe bien. Je suis très 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 heureuse, ma petite fille se marie aujourd'hui. Elle ne fait que suivre mon chemin. Amen. Et toutes les autres le seront. Amen. Parce que nous sommes une famille bénie. Très, très, très heureux et très joyeux. Nous sommes très heureux. L'événement que toute femme souhaite effectuer dans sa vie est le premier loge. Donc, on ne peut que remercier le Seigneur pour ça. Les Massangwa mariés Miss Gabon, c'est vraiment un mariage de la gloire. Mais en l'air. Les gens qui ne connaissent pas mon nom, je m'appelle Général Sarvin.
encore débordé bien. Après, tu viens ici, là. Alors. Ah, ça veut tasser où j'ai les mains grandes. Hein, Kiko, hein, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut sortir. Oui. Tiens, quoi, capitaine ou bien colonel? Ah bon? Voilà le capitaine, voilà le sergent Sabine. Voilà, voilà le général Sabine. Là, c'est le général Sabine. Non, je suis d'accord. Mais je ne suis pas seul. Vous êtes où? Aligné. On est que quoi? On est que deux. Mais nous sommes deux seulement. Pourquoi vous êtes venus autant comme ça? Nous sommes que deux. Nous sommes deux seulement. Un homme et une femme seulement que vous voyez. Ne vous allez pas voir d'autres. On est que deux. Ah ouais, ouais. Attendez, mais comme ça que les yeux là ne voient pas bien. Mais les deux personnes là, ils sont beaucoup, hein? Non. Alors, 100 000 francs. Où c'est? Où? Et plus même. Pour ne pas tirer en long, nous avons tous parlé en français. Mais pour demander votre autorisation de parler en français, je vais déposer quelque chose de symbolique. Je vais directement vous poser la question. Si vous avez accédé à ma cour, vous avez même pris la parole, vous m'avez même obligé de parler en français déjà. Je ne vais plus vous poser la question qui êtes-vous, puisque vous vous êtes déjà présenté. Mais vous deviez savoir que si vous êtes là pour quelque chose d'assez important, il faut donc que vous décliniez la raison de votre visite ici. J'ai mon enfant. Au cours de leur balade dans la ville, il a dû croiser une jeune fille
Et ces enfants-là ont discuté entre eux. Et mon fils est venu me dire, papa, j'ai croisé une jolie fille. Mais il voudrait très sincèrement que les choses se passent comme il se veut. Je lui ai demandé le nom de la jeune dame. Mon fils me dit que la fille s'appelle Simost Ningo Melanie Anist. Donc, si je suis là, avec toute la ligne que vous voyez derrière moi, c'est à cause de cette fille. Alors, moi, je voudrais simplement nous permettre d'avancer. J'ai posé une question simple. Pourquoi êtes-vous là? Je reprends tes propos pour qu'on se comprenne. Tu as dit, mon fils, au cours de sa balade, a croisé une jeune fille. Et je viens donc demander la main de maman. Et en demandant cette main-là, je peux déjà vous dire que je suis venu pour terminer avec toutes les étapes traditionnelles suivies. Un coca, vous avez un orangina, vous avez un gin et vous avez un rhum, plus un paille. Derrière ça, je m'en vais vous déposer 50 000 à terre. 50 000. Donc, ça, c'est sous forme de rappel des présentations qui avaient déjà été faites. Et je justifie ça par le fait qu'il y a eu report en report. Quand vous avez deux enfants, l'autre va épouser un pour nous. Les enfants qu'elle fait là-bas vont s'appeler Moussa. La deuxième va épouser un fond. Les enfants qu'on va mettre là-bas vont s'appeler Oba. Parce que c'est les enfants de leur père. Mais quand ces enfants reviennent à vos pieds, vous êtes leur grand-père. Oba m'étant décédé, la responsabilité successorale traditionnelle revient à Maïssa ici. Et donc, d'aucuns pourront dire, mais on voit des femmes là, elles parlent fond, c'est les fonds, je l'avais vu. Non, vous les voyez, ils parlent fond. Leur grand-mère n'est pas fond. Leur grand-père n'était pas fond. C'est au nom du mariage que quand tu mets des enfants, ça arrive à là. C'est pourquoi l'histoire pourrait demain, quand vous verrez ces gens débarquer chez Maïssa, quelqu'un va dire, Maïssa, papa, parle avec vous tout le monde. Non, c'est sa famille de sang. Et c'est donc par responsabilité qu'il abrite cet événement et qu'il l'assume. C'est important de le souligner pour qu'on sache que là où vous êtes, vous pourrez, parce que les mariages se font par acquaintance. Oh, mais moi, je partais. Son oncle que je connais le mieux, c'est l'Inzébi. Non, c'est Maïssa. Après, vous, non, mais moi, je ne comprends pas, je suis même perdu. Parce que tantôt, sa mère parle fort, mais moi, je parle chez Maïssa, il parle l'Inzébi. Bon, moi, je ne connais même plus. Non, j'avais voulu que vous le sachiez parce que nous allons sceller là quelque chose d'important. Pour arriver à Bakumba, trois moyens de communication. L'avion, le train et la route. À Fidjès, aller-retour. Libreville, Vengue, Libreville. 322 000. Je donne les prix réels. Vous tapez sur Google, ça va vous donner ces prix. 322 000. Plus 20 000 du test PCR. Personne ne voyage s'il n'a le laissé passer Covid. Reviens. Lorsque toi et moi on a parlé là, finalement tu m'as fait mais j'ai compris que tu nous as fait avec la situation du Covid aujourd'hui. On ne peut plus sortir sans que tu n'aies passé le test PCR. Donc,
prends-moi le prêt en VIP. Et voilà aussi l'argent pour aller faire rapidement, en urgence, le test du Covid. C'est compris? Voilà où est ta soeur. Tu fais comme quand vous buvez les bières au bar. C'est le message qui est passé. C'est là-bas qu'on est avec ta Donc là, moi, je ne parle plus. Il faut envoyer une autre personne parce que j'ai peur. Les nouveaux braqueurs de Libreville, là, ils sont même pires. Mais comment envoyer qui? Quand vous buvez les bières au bar, tu dis, ça c'est traité au bar, non? Bon, c'est toi-même qui as appelé ton beau-frère comme au bar. Ton beau-frère dit que là, il ne peut plus. Il faut envoyer d'autres parce qu'il a peur. Est-ce qu'il a peur des regards du bar? Est-ce qu'il a peur des braqueurs? Mais quand cela ne tienne, il faut bien envoyer quelqu'un en mission. Oh, yeah, yeah, on s'est coulé. Yeah, yeah, on s'est coulé. Le paradoxe souvent que je vois dans les mariages, là, on braque les garçons, on ne braque pas les filles. C'est que il faut aller chercher ta soeur. Si le garçon a râlé, toi tu t'entraînes avec ma fumbi là-bas en glace, le connais puisque je travaille là-bas le soir. Mais donc vous êtes tous les 44, va toi-même prendre. Papa, je ne connais pas le village là-bas. Donc c'est elle qui connaît. Alors, ça va qui en fait? Que tu ailles me chercher. Mais vraiment, sois très, très prudent. Papa, dis donc le billet de Vanessa. Ça, tu as donné, c'est mon billet. Maintenant, il manque le billet. Oh. Là, c'est une pour Vanessa. Non, là, c'est même qui m'a tout. On dit chez nous qui veut peu. Je dis bien, chez nous on dit qui veut peu. C'est pas pour le billet de ma femme que moi je vais encore rester là en train de réfléchir. Voici le billet de Vanessa. On va envoyer l'argent de Babette. Le Covid, le Covid. Thank you.
Il y en a qui vont assister au mariage qui, je l'avais déjà planté en décor. Vous avez vu un brassage de culture entre le mixage de ses origines. Les sons zébi, les sons fonds. Pour vous dire que la déesse qui est devant vous vient de plusieurs eaux. C'est donc répondre à la question, est-ce que c'est elle? Donc je vous vois, vous êtes déjà sur une autre question. Maman, tu mets d'abord le symbole. Et puis tu enlèves. Tu enlèves, tu es autorisé, tu enlèves. Et tu vas dire à son père, oui, c'est elle. Et c'est ton père qui confirme en tant que chef d'éducation que oui, c'est elle. Sans aucun doute, c'est celle que j'affectionne depuis. C'est celle que j'aime depuis longtemps. Et c'est la seule que j'aime, c'est elle. Juste parce que tu m'as aimé avec le cœur. Et je t'aime avec le cœur. Mais aussi, depuis l'âge de 16 ans, que je t'aime jusqu'à présent, je te réitère encore. C'est toi que je veux. C'est toi, avec toi, que je veux être. Nos enfants, nos familles, veulent être avec toi. Je te donne deux symboles. Toi que maman Kadi m'a confié. Toi que maman Sophie m'a toujours conseillé. Toi que Patrick m'a toujours orienté. Et toi que maman Magui a choisi. Je te donne ces symboles. C'est vrai qu'une image vaut mille mots, mais cette gestuelle, tu la connais depuis qu'on s'aime et depuis qu'on est ensemble. Basket. Elle est bonne, soit le mari, le Seigneur. En effet, le mari est le chef de la femme. Tu dis quoi là? Si tu veux qu'on arrête l'engagement, voilà. Il faut bien réfléchir. Mais je l'aime trop. Tu l'aimes trop? Écoute, tu as duré. Non, pas duré, c'est l'amour. C'est l'amour, mon cœur qui parle. J'ai mon mari. Bon, juste à loin pour que personne ne ramasse. Dans les lieux arrivent.
C'est parti. C'est bon, pas grave, allez-y, ramasse. Non, pas du tout. Bravo, madame. Il n'y aura pas de micro. Merci DJ. Merci à tout le monde de prendre place. Prends place, mon. Qu'est-ce que tu as dans la main? La pièce, un fille a accepté, de bon cœur, pleinement, ce mariage. Nous, en tant que parents, nous bénissons ce mariage. Le mari, on le prend le plus important, il s'est présenté. De notre côté, le mariage est béni. Et nous voulons qu'il y ait une très, très, très bonne contribution dans cette journée. Amen. Lorsque la fille va en mariage ou la petite fille, les grands-pères sont les seuls êtres de la famille visée. Comme pour dire, tous les attentats que vous êtes en train de cueillir, il n'y a qu'une seule personne qui a mis le noyau au sol. Et c'est celui-là qui en fait en est la responsable et le responsable de famille. C'est pourquoi souvent lors de la célébration des mariages, on implore plutôt leur bénédiction. Maman, je te donne ça parce que la tradition que nous défendons veut que les grands-mères et les grands-pères soient les garants du temple et c'est eux qui doivent bénir leurs petits-enfants. Mon grand-père me disait que si un grand-père a un fétiche, ce fétiche ne peut pas tuer son petit-fils. Voilà ta petite fille qui sollicite ta bénédiction parce qu'elle va en mariage. Je le fais ici. Rien à l'argent que j'ai. Oui, c'est ce qu'il me dit. Il dit Yana Abissi. Ça veut dire que votre demande n'a même pas encore, m'a pas encore obligé d'aller toucher à mon compte. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est ce que ça veut dire. Comptez-moi l'argent. Non, assieds-toi, prends ton temps. Moi, je veux juste qu'on m'a dit qu'il y a 1,8 million. Yo, you my mama.
volume, 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 volume. Ici, on t'assoit sur maman Sophie, qui est stable, qui le temps voulait. Quand tu as des problèmes, on approche le temps voulait. Pas de mal. Vanessa, aujourd'hui, tu deviens la fille de maman Sophie. Pas sa fille, mais sa belle, sa fille. Sa fille, oui. Voilà. Donc, quand tu as un souci, c'est plus la peine de me déranger. Tu prends ta voiture, tu vas au charbonnage, tu vas voir maman Sophie. Maman, que Dieu te bénisse et qu'il vous accompagne dans ce mariage. Sois heureux. Mon fils, mon frère, je voudrais simplement te dire merci parce que tu as planté dans le cœur de ma fille le rêve de toutes les femmes. Elle n'a pas l'obligation de vous aimer, elle a l'obligation de vous respecter. Je tenais à vous le dire parce que, alors que je vais me séparer du micro, je voudrais simplement remercier Dieu et rendre grâce à Dieu qui a fait que ces choses aillent du début à la fin sous son contrôle. Mais papa, avant que je ne me sépare du micro, la coutume nous avait dit que quand tu as eu une fille, on a eu un garçon. Pourquoi tu veux te montrer égoïste d'avoir et la fille et le garçon? Moi, je vais prendre place à même mon fils. À partir de ce moment, vous allez repartir là. Papa, repartez là. Repartez là. Maman, repartez là. Vous m'avez trompé. Et vous avez trompé la tradition de Dieu. Vous allez me trouver un pain, une liqueur et 50 000. Vous venez me les déposer. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais deux fois père de jumeaux. Lorsqu'un jumeau, une jumelle va en mariage, c'est l'occasion solennelle où on sépare le cordon ombilical qui les a liés. On ne peut pas clôturer le mariage d'un jumeau et c'est à la fin qu'on dit qu'il faut préciser qu'il est jumeau. Dites-moi, mettez d'abord la musique. Vous me mettez ça. Passez. C'est pas possible.
Non, la bicycle est déjà vide, c'est le reste. La bicycle, le robot est déjà vide. Là, il reste que les pièces. Lorsqu'il s'asseyait, elle allait s'asseoir au milieu jusqu'à ce que vous ramassiez ces symboles. C'est ces symboles qui devaient les séparer. L'autre de façon symbolique et l'autre la dot proprement dite. Quand c'est un homme qui va en mariage, lorsqu'on dit il arrive, en réalité ils arrivent. Les deux rentrent, les deux s'installent, ils devaient même être habillés de la même manière. Jusqu'à ce qu'on présente leur statut. Et quand on a mis le pagne comme ça, l'autre prend la chaise pour se mettre maintenant à l'écart pour dire le cordon ombilical qui nous avait lié vient d'être remplacé par la chaleur. Vous me laissez présider un événement comme ça. Et c'est à la dernière minute que vous me dites il est jumeau. Ça là, n'écrivez pas ça dans votre don. Non. C'est qu'on, non, j'explique. Ce qu'on a fait là, si c'était au village, c'était la peau de l'antilope. C'est pourquoi chaque fois qu'un papa perd son enfant, s'il doit parler face à sa belle-femme, la première chose qu'il fait, c'est le symbole qu'il a porté des enfants en lui. C'est pourquoi vous avez mis ça ici. Je ne veux pas retarder ce processus, mais il y a un mari qui est assis là, c'est vous qui l'avez amené ici. Vous avez gardé un autre mari là. C'est vous-même qui savez pourquoi vous l'avez gardé là-bas. Est-ce pour nous dire que votre enfant c'est seulement celui-là? Et celui-là n'est pas votre enfant. Vous-même vous savez. La traversée! La traversée! Compréhension, c'est un moment qu'il faut utiliser. N'hésite pas, avant de venir se plaindre chez moi, commence par voir mon frère Maïssa ici présent. C'est de très bon cœur. Au nom de toute ma famille, j'ai bien dit de toute ma famille, nous te perdons. Que je prononce ces mots-là pour te dire. Rien ne va t'arrêter sur ton chemin. Ton mariage va progresser. Ton mariage est délivré. Les parents, ma famille, moi également, j'adhère, je m'appelle à eux pour dire que Dieu vous accompagne pour la réussite sans faille de votre union. Moi, ça fait 27 ans de foyer. 57 ans de foyer. La Bible dit, c'est lui qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur. Amen. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et elle deviendra une sage. Papa, je vous ai toujours dit que là où vous allez aimer, c'est là où vous allez épouser. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envié. Moi, depuis 57 ans, je n'ai jamais réuni mes parents. Assez. C'est pas que les occasions manquaient. Je suis partie de moi-même. La femme, c'est l'aide semblable.
être soumise à son mari. Et l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé le Christ. Amen. Amen. Tout se passe là par l'amour. C'est par l'amour que nous sommes là. C'est par l'amour que les deux familles, aujourd'hui, on a une famille chez les Nzébi. Et ils ont une famille chez les Massambo. Le mariage n'est pas un essai. C'est une vision de Dieu. C'est pour accomplir la vision de Dieu. Le mariage, ce n'est pas un refuse. Un refuse pour dire que je dors dehors, je me marie. Je dors au salon, il faut que je cherche une femme. Le mariage, c'est une institution divine. Mais nous devons accomplir la vision de Dieu. Moi, je parle en tant que mère. Voici ton père. Oui. En bas les mains. Chou, chou, yo, 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 chou. Fais ça les filles, allez. Sont en train de nous préparer pour la mairie et les préparatifs se passent très bien. La mairie à l'intérieur, elle s'apprête à mettre sa robe pour la mairie, mais sinon tout se passe très bien. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It's gonna never. Can never ever exist, oh. You do not lie, you
monsieur, mariage est tellement important, bien sûr. Il y a plusieurs personnes, des raisons diverses qui ne parviennent pas à pour cette décision aussi importante prise par ces magnifiques créatures. Je souhaite vous les encourager qu'on applaudisse à l'autre effort. Eh bien oui, avec la plus grande et la plus forte fermeté. Lorsqu'on a été à l'école d'Arcane Manango et de Régis Massiba, on ne peut que répondre de la sorte. Mademoiselle Iliata Manango et Thierry, vous comprenez que j'ai déjà anticipé. J'ai voulu dire même Madame Manango. Mademoiselle Vanessa Simost, maintenez-vous votre engagement monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage. Oui, je le maintiens.
et mademoiselle Vanessa Simons, unis par les liens sacrés de mariage, cela nécessite que l'on se lève et qu'on applaudisse. Cette alliance est sortie de trois diamants, dont la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. In you, DJ, you know. And I've learned. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir été la perle de ma famille. Merci d'avoir été la mère et toujours ma mère. Tu es la seule. Que you smile chases all the pain away forever and a while in my heart is where you'll stay and this is why I love you ooh this is why I love you because you love me you love me Stars have all aligned, and right now is the perfect time to say, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Pour moi dire
aye, toto mono me, oga na mikano, mikano na kome o, ibono na gonde aye. Parce que lui était le patron de Vanessa. Vanessa était Miss et lui était le patron de Miss. Du coup, donc, il ne pouvait pas tolérer que Vanessa soit convoitée. C'était interdit. Les textes l'interdisaient. Bon, c'est la chance que Thierry a. Que Vanessa aussi d'ailleurs, hein, c'est que ce sont tous mes parents. Thierry étant mon petit frère, Vanessa ma nièce, donc j'étais un peu entre le marteau et l'enclume. C'est que les blancs appellent, les Français appellent un dilemme. Nous, dans le comité Miss Gabon, il y avait une règle d'or. La Miss, pendant son règne, ne doit pas avoir de copain. On ne doit pas avoir de même des valeurs.
Même si elle avait un dragueur, le dragueur, l'ami, le bon ami, se mettait d'abord à l'écart pendant un an seulement. Il supporte un an. Et après, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que le jour où ma présidente, Olgao et moi, on va rendre visite à la ministre dans sa maison, Edith Lucie Bongo lui avait donné pour son règne, on trouve quelqu'un assis dedans. On dit, mais tu fais quoi ici? Il est grand, non? C'est Mina qui m'a envoyé. Il t'a envoyé faire quoi? Oh, Vanessa a des allons, des envies de composition musicale. Elle veut devenir une chanteuse. Et je vous fais une révélation, sauf si le manager de Vanessa lui-même peut le dire ici, là. La révélation, c'est que Vanessa Miss Gabon 2006, Miss Afrique Centrale 2007, est aussi artiste chanteuse et je suis son producteur. Elle a fait de grands titres qui ont été malheureusement vendus à d'autres personnes. Tu as peur de dire qui ont été vendus à d'autres personnes, mais c'est des titres que vous connaissez parce que vous avez dansé à un certain rythme qui a été chanté par une autre artiste gabonaise. Bon. Donc, tous les premiers titres qu'a lancé l'artiste Ariel T ont été composés par Vanessa Simons. Ça, vous ne saviez pas. La Grou d'à côté, c'est une composition de Vanessa Simons. Il faut qu'on le dise ici. Voilà. Et j'en suis le producteur. Donc, j'ai déjà remarqué le talent de Vanessa Simons. Si vous connaissez ce morceau, qui est un morceau qui bouge beaucoup, qui a fait danser les Gabonais, c'est comprendre que c'est une artiste très talentueuse. Revenons sur comment Thierry est retrouvé dans la maison de la Miss. C'est justement parce que c'est Thierry aussi, à cette époque, était un artiste, il est encore, du Bounce Mouche, dont je suis le producteur. À ce moment, donc, c'est des compositions, c'est un travail qu'on veut faire ensemble, et puis bon, on envoie chez la Miss. Et la connexion s'est faite entre la Miss et puis l'artiste Thierry. Et évidemment, quand il y a une belle fille et un beau garçon qui se rencontrent, le feu se met tout seul et nous, on a du mal à éteindre. Donc, c'était un featuring envisagé entre Vance Bougie et... En effet, c'était un featuring. On travaillait sur un featuring, mais ça s'est passé en featuring qui se termine par un mariage aujourd'hui. Et ça, je souhaite que tout le monde applaudisse sur ce futurisme qui arrive là. Voilà. Voilà l'histoire. Nous en sommes les témoins. Mais on va encore vous rassurer qu'on a dû accompagner ce couple jusqu'à aujourd'hui, comme des grands frères. Nous sommes, Régis et moi, les grands frères biologiques pour Régis de Thierry, mais les grands frères de Vanessa, parce que dans toute sa vie de Miss, jusqu'à sa carrière, jusqu'à son rôle de mère et de femme aujourd'hui, on a toujours été présents dans ce couple. Et on remercie ces jeunes qui nous font confiance parce que quand on leur parle, ils nous écoutent. Et pour finir, parce que ce n'est pas nous les vedettes de cet événement, on va partir. J'aimerais quand même, sans quitter ce podium ou cette piste, rendre un hommage particulier à la Matouze. La Matouze, c'est la grand-mère de Vanessa Simons. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui, j'ai vu le reste de la famille, mais elle est vraiment très bien représentée. La Matouze à la pairie, tu te souviens, a toujours accueilli les amis de Vanessa Simons. On a mangé chez la Matouze. On a fait la fête chez la Matouze. Les grands repas. Voilà. Tu as vu, tu as le petit micro. Merci la Matouze. La Matouze, on ne l'a pas oublié. Il dit qu'on n'a pas oublié. Vraiment. C'est une maman comme tout le monde aimerait en avoir une, la Matouze. Et c'est elle qui nous a donné Vanessa Simons. Et aujourd'hui, Thierry est allé aux États-Unis, il a passé 5 ans de sa vie là-bas. 7 ans de sa vie aux États-Unis. Tout le monde, toute la famille se disait, c'est fini, il est parti, il va trouver une Américaine. Tous les Africains rêvent d'en avoir une. Et en fait, la vraie Américaine qu'il avait choisie, c'est Vanessa Simons. Et il est revenu pour lui. Merci.
merci à tous. Merci au marbre et calé, le papa Jimmy de toute l'Afrique. Allez là-bas. Fangin' gonna show shake and bean. Kabuni gon' check on shake banan bean. Mopongo, ponka la sol. Babuk ma bas mando shana batu tobi pel. Okut me kut, ayamil. Oma bale, beto yor ma tanga. Si la yandre nyar me mana, wibwedi. Ouya mwanzi le pint. De beurre ma ronde, gons di vole di arrodi kam wint. Che di vole di bat ka wile mwint. Rens pung, pung ku bale pale mpung. Poil bangour, poil malar, poil ma boum. Ma basse rendez-vous là, bouge n'a pas, tout film n'a pas, tout or n'a pas, t'auras rien d'un roi. La a la a la a, Gebu j'ai toi, Gebu abba ma foukala. Vos, dzeng yad ou les yambala. Pauvre moi Senza, citoyen des Trouara. SOS détresse, tour de chien sans laisse, les odeurs sans cesse, et puis les pioles s'affaissent. Quand je pense que c'est dur pour ma propre peau, je nuture les amas d'immondices, les discours de politique, ville propre, belle décis. Zéro, y'a rien, laisse-moi sans, on les voit clair, n'est-ce pas? Mon regard est plein de cool, la vie est amère, ma vie est sale. Hambunga, Mondia Kanawa, Akanawa, Bangourou Bakanetwa, Bak, Bakanetwa, Baboubou Makanenwa, Malaru Mumimamba, Mbunga, Mondia Kanawa. Dancing the floor, if I had elle était libre, mais son cœur n'est plus à prendre. Nouvel engagement, cette conquête n'est pas qu'un jeu. Ils ont tous essayé de la mettre dans l'impasse. Son cœur a parlé, elle s'en sort de ses orages. Tu es le seul qui est rentré dans ma zone. Tu m'as formaté, m'as fait repartir à zéro. Dès les somnifères, je tombe quand je pense à ta tibou. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de t'aider, you take hero. Quand je te vois, mon cœur fait. Quand je te vois, mon cœur fait. Nature de bar, je peins de romance, il n'a vu par milliers. Pour eux, c'est la base. Je viens de tourner. Habitué à faire du pipo. Oui, c'est mal un plaisir, alors fais du sale. Je suis le seul qui est rentré dans ma zone. Tu m'as formaté, m'as fait repartir à zéro. Dès les somnifères, je tombe quand je pense à ta tête. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de t'aider, you take it all. Quand je te vois, mon cœur fait. Quand je te vois,
mon cœur fait. Le bouche à bout du dansi, 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 dansi. Et quand je vois mon cœur fait. Merci de m'avoir honoré devant Dieu, devant les hommes, petit dessin, tu es tout pour moi. J'ai enfin trouvé l'amour. Notre histoire est la plus belle. Tu es le seul qui est rentré dans ma zone. Tu m'as formaté, m'as fait repartir à zéro. Dès les cent mille fois, je tombe quand je pense à ta débout. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de te dire you take it. Quand je te vois, mon cœur fait. Quand je te vois, mon cœur fait. Des enfants, le résultat est là. Bon, écoutez, juste dire merci à la famille, merci à ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas été là. Oui, elle montre et le doigt. Comme on le dit toujours, soyons toujours humbles et très simples comme Joe the Crazy Boy, mais surtout très famille comme Christian Spetsch-Mbina, mais aussi très conscient et très, très dévoué comme Oswald Valdiwora. Merci d'avoir tous été là. Et merci parce que je sais que vous serez toujours là. Que la paix soit avec vous et que Dieu nous protège. Je suis le TH. Amen. Je suis le TH. On est en after mariage. Justement, après le mariage, il faut continuer la bénédiction aux enfants. Et donc, moi, en tant que manager des deux... Moi, je les appelle les artistes, hein, le couple qui s'est marié. Donc, les deux artistes, bon, je suis venu leur donner la bénédiction. Et ils ont la chance d'avoir une autre bénédiction qui vient de mon frère, Dieu da Crazy Boy, qui est venu leur dire bonjour. Donc, voilà, c'est l'after mariage. Ce mariage était sexy, n'est-ce pas? Ciao.